Salut, bienvenue sous la couverture. Je sais pas comment appeler cette vidéo, mais elle va être très courte. Normalement, si tout se passe bien. Et sûrement les trois vidéos suivantes, j'aurai la même tête, les mêmes habits et tout ça, parce que je vais les filmer à la suite. Seulement, ça me paraissait plus cohérent de d'abord commencer par cette vidéo de comeback, retour, je sais pas quoi. Cette vidéo, c'est juste en fait du coup pour annoncer mon retour. Donc je vais expliquer si un petit peu pourquoi j'étais absente. Du coup, je suis absente depuis presque un an. Je compte pas les vidéos que j'ai fait genre à quelques mois d'intervalle en essayant de reprendre. J'ai pas réussi, je suis nulle, je suis désolée. Je souffre de plusieurs troubles psychologiques. Et voilà, ça se voit à me regarder. Pas des trucs assez graves pour être genre folle. Mais assez grave pour que ça m'empêche de filmer des vidéos comme je veux, ça m'empêche de agir comme je veux, ça m'empêche de faire tout ce que je veux en fait. Et du coup, je me retrouve souvent dans des situations un peu ridicules, d'avoir envie de faire des choses, mais d'être paralysée soit par la peur, soit par la procrastination extrême. Et du coup, ça m'énerve parce que j'avais envie de continuer à faire des vidéos et c'est quelque chose qui me plaît. Mais j'ai pas réussi. Voilà. Et du coup, j'ai eu une phase un peu difficile ces derniers mois. Enfin, ça va mieux, mais tout en allant pas bien, je sais pas comment dire. Parce que j'étais incapable de recommencer à filmer. J'ai l'impression d'avoir été trop absente pour recommencer. Alors qu'en fait, entre guillemets, m'en fiche d'avoir des vues. Bien sûr, si tu fais plein de vidéos et que tu veux partager des trucs et que t'as toujours zéro vue, c'est chiant. Et tu t'amuses pas parce que t'as pas un peu de remerciement derrière, je sais pas comment expliquer, mais un peu de reconnaissance, voilà. Et du coup, je sais que ça m'arriverait pas normalement. J'espère au moins avoir un ou deux vues. Et même si je fais pas ça pour les vues, c'est vrai que du coup, j'avais peur de revenir et d'avoir perdu tous les gens que j'avais. Alors, parce que je sais que tous mes abonnés sont vraiment des amours. Enfin, genre, j'ai que des cœurs. Je suis vraiment trop contente d'ailleurs. Je sais pas comment j'ai fait pour mériter une communauté aussi chou. Enfin, si on peut appeler une communauté, puisque j'ai moins de 1000 abonnés. Mais pour moi, c'était déjà une communauté. Pour moi, c'est clair. J'espère que c'est clair pour toi aussi. Bref, et du coup, voilà, j'ai été absente parce que j'avais la trouille de revenir. Et puis parce que surtout, j'étais prise par mes propres soucis. Donc, par exemple, ranger ma chambre que je n'ai toujours pas fait. Et du coup, je peux pas filmer de vidéo dans ma chambre parce que c'est vraiment le bordel. J'ai envie de changer quelque chose dans ma chambre, je sais pas encore quoi. Du coup, on se retrouve dans ma cave. Super. Et du coup, voilà. Du coup, je pense que durant quelques vidéos, on va sûrement se retrouver dans ma cave. Bon, elle est pas moche, voilà. Le décor est un peu moins beau. J'espère juste que t'apprécieras quand même mes vidéos et que tu accepteras mon retour les bras ouverts. Ça veut rien dire, t'as compris. Et que t'accepteras que je sois là. Et que. Je sais pas pourquoi je fais ça maintenant, mais je referme mon stylo, excuse-moi. Du coup. J'espère juste que vraiment j'ai encore ma place sur YouTube, j'ai encore beaucoup de choses à te raconter et voilà. Donc j'espère vraiment que tu me pardonneras si j'ai besoin de me faire pardonner parce que c'était vraiment contre mon gré, parce que j'avais vraiment envie de faire des vidéos. Depuis l'été dernier déjà, j'ai filmé une monstre vidéo. Monstre, ça c'est suisse, je pense. J'ai filmé une grande vidéo sur la Suisse en été. Et je l'ai pas montée, j'ai encore les rushs, mais j'ai rien fait sur cette vidéo. J'ai été complètement dépassée par la situation. Je pense que j'ai visé trop haut parce qu'en fait, les montages c'est long. Et plus je faisais des rushs, donc c'est une vidéo qui devait durer quand même plus d'une demi-heure. Du coup, plus je faisais des rushs, plus c'était compliqué. Et du coup, plus ça m'a mis de la pression et moins je m'en suis en sortie. Du coup, ça n'arrivera plus. Donc je vais garder les rushs et quand je serai prête, je posterai la vidéo. Voilà. Mais je suis pas prête pour faire des grandes vidéos comme ça. Ça demande beaucoup de travail, de montage, etc. Et j'arrive pas à me lancer dans une aventure aussi grande. Donc ça veut absolument pas dire que j'arrête YouTube, hein, si jamais c'était pas clair. Je vais continuer à faire des vidéos, mais plus à mon échelle et plus tranquille pour l'instant. Et quand je me sentirai vraiment prête, et ça n'a pas encore été le cas depuis le début que j'ai commencé YouTube, je ferai les vidéos plus importante et plus grande. Voilà. Donc du coup, au programme qui va arriver bientôt comme vidéo, il y a cette vidéo, ça fait une. Ensuite, une deuxième que j'ai vraiment très envie de faire. La deuxième vidéo qui va sortir à la suite de celle-là, sûrement dans quelques jours. Ou la semaine prochaine, je sais pas encore. Ça sera l'ouverture de la box de Léon. Donc Léon, mon chat. Comme tu sais, je te mets de la vidéo juste. Ici, il me semble que c'est de ce côté, j'ai perdu l'habitude. Juste de ce côté, donc j'ai adopté un chat il y a bientôt un an maintenant. Un chat qui m'avait déjà adopté avant ça. Et du coup, je cherchais une box à avoir pour moi, parce que j'avais envie d'avoir une box. Tous les mois, un petit truc qui vient, quoi, voilà.
Et il se trouve que j'ai pas trouvé de box en Suisse qui était convenable à mes envies. Donc, sachant que je voulais une box soit de jardinage, soit de. Enfin bref, peu importe. Et du coup, j'ai pris une box pour chat, parce que Léon mange, joue, etc. Et comme beaucoup de chats, il a besoin de changer de jouet tout le temps, parce que sinon il s'ennuie. Et du coup, j'ai pris cette box, donc je vais l'ouvrir dans la prochaine vidéo. J'espère qu'elle te plaira, cette vidéo. Et ensuite, je dois aussi te parler du CNED, parce que beaucoup de choses ont changé dans le CNED pour moi. Et du coup, bah voilà. J'espère que le programme des vidéos, donc ça veut dire celle-ci, la vidéo de la boxe, la vidéo de ce qui se passe avec moi et le CNED, de peut-être ma future formation si ça te dit, si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire, je sais pas, peut-être que je garderai ça pour moi cette fois-ci, je ne sais pas. Et tout ça, ben voilà, ça serait le programme. Donc j'espère qu'il n'y aura rien de fou parce que sinon j'ai peur de trop me stresser. J'espère réussir à tenir et s'il te plaît, m'en veux pas s'il n'y a pas vraiment de rythme. Je fais vraiment de mon mieux et j'espère que ça se voit et que tu le sais. En tout cas, j'ai regardé tous les messages, tous les commentaires, tout sur YouTube que tu m'as envoyé depuis tout ce temps que j'étais pas là. J'ai vu aussi tous tes messages Instagram, même si j'avoue que j'avais absolument oublié de regarder mes nouvelles invitations. C'est compliqué cet Instagram. Et voilà, donc j'essaie toujours d'être présente sur les réseaux. Radio. Non, j'essaie toujours d'être présente sur les réseaux du mieux que je peux, même si je poste pas. Donc en tout cas, j'ai pas disparu, je compte pas disparaître. Et voilà, donc j'espère que on pourra reprendre l'évolution de la chaîne ensemble à la vitesse qu'elle allait, donc très bien, lentement, ça va très bien. Mais voilà, donc j'espère vraiment qu'on pourra continuer ensemble. Et je te fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi et c'est tout. Allez, bisous.